Paris, il y a des manifestations tous les jours, effectivement. Un coup, c'est je sais pas quoi, les vendeurs de saucisses. Après, c'est les mecs qui ont des chapeaux. Après, c'est je sais pas qui, etc. Pour ceux qui circulent dans la ville, c'est très pénible parce que ceux qui viennent, c'est parce qu'ils peuvent venir. Donc, quand ils ont du temps, ils viennent emmerder les autres. Mais il y en a qui sont tout le temps emmerdés. Et est-ce que notre organisation de société peut continuer à supporter ça? Et en plus, ceux qui manifestent disent toujours qu'ils sont représentatifs de tous les Français, etc. Parce que bon, il y a 2 millions de personnes, d'après ce qu'on nous a expliqué, dans la rue, dans toute la France, sur 68 millions de personnes qui habitent dans le pays. Est-ce que on peut accepter de continuer à avoir une vie qui est rythmée par les envies, les colères, les mécontentements, l'envie de taper sur des casseroles, l'envie de taper sur des abribus, etc., d'une très petite partie de la population? Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.